Yes! Allez, premier match de session, Göteborg, objectif, les gêner un maximum, voire même gagner. Continuons la belle série, les gars. C'est pas parce que c'est Göteborg qu'il faut baisser les bras. On a failli gagner là. On a failli gagner. Pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment les streams, on a failli gagner la Conference League la saison dernière. Enfin, cette saison en Suède, mais la saison dernière en Europe. Donc, ouais. Un commentaire sur les transferts. Ou faux. Ok. Let's go. Peut-être à cause de la fatigue que j'ai sorti. Je vois qu'ils sont tous à 96, 95. Et que Ishigawa, quand je l'ai regardé tout à l'heure, il était à 91. C'est peut-être pour ça qu'il est sorti. Rien à voir avec une blessure ou quelque chose comme ça, c'est peut-être parce qu'il était trop fatigué. Enfin, à mon goût, il était trop fatigué. Après. Après, c'est pas. Après, c'est pas moi qui gère ça. Entre guillemets. Ah non, pas marquage. Pressing, mauvais pied. Voilà. Ah non, Rano, s'il te plaît. Ça devrait pas l'empêcher de jouer, ok. Mais Rano, niveau blessure, il est catastrophique. Oh putain, les coups francs défensifs, les gars! C'est abrutissant de voir ça. Le marquage, il est où, là? Faites quoi? Qu'est-ce qu'il fout au poteau, là? Le coup franc, il est excentré. Il devrait y avoir personne sur les poteaux. Non. Normalement, il n'y a personne sur les poteaux. Je suis... Si c'est le cas, c'est de ma faute, mais... Parce qu'il est excentré, quoi. Voilà, il y a personne sur les poteaux. Je crois que même direct, il y a personne. Ouais, il y a personne sur les poteaux, donc. Qu'est-ce qu'il fabriquait sur les. C'était mis sur les poteaux. Au lieu de faire le marquage, je sais pas. Ah, il y a personne. Normalement, t'as personne sur les poteaux, donc qu'est-ce qu'il s'était foutu sur les deux poteaux là? J'en sais rien. Non mais voilà, c'est insupportable, tu leur dis de faire le marquage individuel, t'en as deux qui sont au premier poteau et au deuxième poteau, qu'est-ce qu'ils font là? Prenez un joueur, faites quelque chose. Aidez vos collègues à faire à défendre, enfin j'en sais rien, mais restez pas au premier poteau, enfin restez pas sur les poteaux, vous avez rien à foutre sur les poteaux, je vous ai pas dit d'y aller. Oh! Je vais rien dire réellement aux défenseurs parce que c'est sur un coup franc, mais quand même. Ah quoi, à un moment les coups francs c'est une plaie, les coups francs c'est pénible. C'est des. Ben le problème, moi je pense que c'est parce que je les travaille pas. Entraînement, parce que je peux pas vraiment, si tu veux. J'ai trop de choses à travailler entre temps et après il y a les matchs à côté et tout et je peux pas réellement tout travailler. Qu'est-ce que c'était que ça? Je peux savoir ce que c'était, ça. Si tu rentres dans la surface, frappe, fais pas une passe. Dans ces cas-là, tu vois bien que ton collègue y est pris. Et qu'il y a personne qui va aller récupérer la balle. C'est pas possible, hein, quand même, par moment. Hein. Touche les coups francs, c'est une plaie. Tout ce qui est indirect, il va pas dans la surface directement, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, mais fais un contrôle! T'es insupportable avec ça! Oh là là, c'est pas vrai. Et mon défenseur latéral est complètement hors de position. Je sais pas ce qu'il fout là-bas. Mais je sais pas ce qu'il fout au centre, mais il est parti se promener au centre là et. Alors que c'est pas sa place. Ouais, joli le centre. Dommage la tête. Et je sais pas ce que mon défenseur latéral qui était là faisait là. Il n'y a aucune explication. Parce que la tactique en elle-même, je leur ai dit des lignes défensives normales, donc il doit être là où je sais plus, c'est pas écarté que j'ai demandé, donc il doit être sur le côté. Son poste, je lui ai dit de rester sur le côté. Donc, moi, j'ai une question quand c'est comme ça. Pourquoi mon latéral se retrouve dans la surface pour rien du tout? Il est pas au marquage, il fait rien et bon, ben on a pris un but encore comme d'habitude. Ah, mais les coups francs, de toute façon, tu vois ça là? Là, il manque quelqu'un. À la sortie de la surface. Pourtant, quand tu regardes sur les coups francs indirects, il y a toujours quelqu'un. La sortie de la surface, mais non, apparemment il manque encore quelqu'un à la sortie de la surface. C'est insupportable. Putain, c'est pas vrai quoi. Il faut que je sorte les trois joueurs du coup parce que il y a un blessé, il y a un gars qui finira pas le match, qui m'a fait de la merde. Decker fait 6-40, il fait de la merde, c'est impossible. Mais il faut que je sorte le défenseur qui a un carton jaune. Pour éviter le rouge. Mais c'est insupportable de faire ce genre de choses là. Ils obéissent à rien du tout. Mais rien. Rien, rien, rien. Les coups francs indirects, t'as toujours. Là, il y a quelqu'un sur le mur, mais c'est parce qu'il est direct. Tiens, les coups francs excentrés, il y a quelqu'un dans le mur. Ah, quoi que c'est quelqu'un dans le mur. Il faudrait quelqu'un à la limite de la surface. Ouais, il faudrait que je corrige ça. Il faudrait que je mette quelqu'un à la limite de la surface. Tu vas me dire excentré, il n'y a pas besoin de grand monde. Donc, genre, tu prends le défenseur gauche, tu le remets au marquage et tu mets le milieu centre par là. Enfin, il faudrait corriger ça. Mais ouais, non, mais c'est insupportable quoi. C'est insupportable quoi. Deux buts sur coup franc quoi, les gars, à un moment. Si vous voulez pas gagner, faut le dire, hein. Non mais l'excuse de ces Göteborg en face, elle n'existe pas. On sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça. Bon ben Decker finit un match complètement nul. Avec un carton jaune, bah bravo. Oh bah tu vas pas. Tu me rassures pas sur le fait que j'ai envie de te faire jouer là. J'ai vraiment pas envie. Oh mais non, là. Oh mais. Ah mais je suis pas content. Mais oui, mais toi tu viens me rentrer. Ah, ça va. Toi par contre tu prends une bouteille d'eau, t'as rien foutu là. T'étais vraiment très nul. Le mec il était à 6,40 à la mi-temps, il est à 6,40 à la fin du match. Et si, il est constant, mais constant dans la nullité. C'est voilà quoi. Allez, le deuxième match de la session. New Gardens, whatever. On veut gagner. On a travaillé tout dans la semaine. Enfin, tout sauf marquer des buts. Mais on a travaillé tous les coups de pied défensifs. On les a retapés un petit peu aussi pour être sûr. Et on a travaillé le physique parce que du coup, ils ont leur problème. Voilà. Et ouais, on a besoin de marquer des buts et de faire quelque chose. Voilà. Allez, ça suffit. Maintenant, on est parti. Il faut qu'on marque des buts, les gars. Qu'on marque des buts et qu'on gagne des matchs. Parce que là, ça suffit de faire des trucs ridicules. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai complètement oublié de faire quelque chose. Et je vais m'en mordre les doigts si je le fais pas. Wesh. Pardon, pardon, pardon. Non, pas le marquage. Pressing. Mauvais pied. Voilà, maintenant on est bon.
Miller, Miller, les longs coups francs, qui c'est qui t'a demandé de les jouer comme ça? Oh là 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 là. Oh là là. Oh les passes quoi, sérieux les mecs. Vous savez vous appliquer hein? Retrait au pong. Qu'est-ce que tu fais? Marquer un but, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin de faire des dribbles pendant 15 minutes là. Il avait large la place de centrer, le mec il a préféré se faire tacler, revenir, limite perdre le ballon là, que juste pour aller marquer un but. Vas-y. Qu'est-ce que c'était? Oui, vas-y, fais-le quand même. Mais ouais, je capte pas pourquoi mes latéraux ils ont décidé de jouer perso des fois. Norco Malmö, ouais. C'est un bon petit match, ça. Il suffit que Norco trébuche, là. Il faut... S'il trébuche, ça remet tout, ça redonne tout, parce que nous, on peut aller chercher 3 points, je pense, là. Et donc, ça nous mettra 7 points de la première place, ce qui est quand même assez intéressant. 7 ou 8 s'il garde le nul, mais ouais, il perdrait 2 points d'avance, déjà. Je cours. Ok, on est à l'attaque, je suppose, ouais. Très belle touche, ça. Oh oui, passe en retrait. Dommage, Polo. Dommage. Ça aurait pu rentrer, ça aurait dû rentrer, mais c'est pas grave. C'est bon, quand même. Il y a la limite de raisonnable, quand même. 6-6, faudrait qu'il se réveille un minimum. C'est bien. On peut faire mieux, les gars, on peut faire mieux. Au point, pas de carton, s'il te plaît. Voilà. Les autres, faut faire mieux. Je suis certain. Bon, que 1-0, c'est pas suffisant. On est pas à l'abri de se prendre des ratatinés en contre-attaque ou des trucs comme ça. Donc, même sur une attaque placée, on n'est pas à l'abri. Hein. Donc, on le sait, notre défense, elle aime pas trop défendre, des fois, donc... Ouais, joli ça. Dommage, dommage, la finition manque, mais c'est dommage. Mais c'est bien tenté, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et j'allais dire, oh Norco, ils ont mis un but. Non, 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 c'est Göteborg qui a mis un but. La la, la 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 la. La 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 la. La la la. La la la. La la la. La 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 la. On va se faire un petit changement ou deux. Ah, Ishikawa pour un jouer en même temps. Je vais faire mon changement. On va faire rentrer un Gesson à la place de Hopong parce qu'il y a pris un jaune. Je sais pas si Selnes, je peux le faire jouer 80. Je peux le faire jouer 30 minutes. On va le tenter. J'espère qu'il n'y a pas à se re-blesser par-dessus. Mais on va le tenter parce qu'Ishikawa prend un jaune, on va éviter de risquer Ishikawa. Même si j'en ai pas nécessairement besoin sur le prochain match. Mais... On va éviter de risquer les rouges quand même. C'est intéressant qu'on prenne pas d'autres cartons. Tu comptes le regarder longtemps? Je sais pas, mon défenseur a décidé de pas être du tout sur le joueur alors que je lui ai dit d'y aller dessus, mais bon, voilà. On a bien vu. Ah, dommage, la passe. Hop, ça revient, Moulinia. Ah, il va y aller aussi tout seul? Non. Il a essayé, il a tenté un centre à ras de terre, mais... Voilà. Encore. Là-bas. Voilà. On joue 3 là-bas, balle, on risque trop. Voilà, ça c'est bien. Bien la passe. Encore. Voilà. Ouais, mais jouez, jouez, jouez. Jouez. Bien le centre. Dommage. Vous êtes deux, les gars. Parlez-vous un petit peu. Oh, Polo. Parlez-vous un peu, les gars. À un moment. Moi, je veux bien, mais à un moment, les gars, parlez-vous.
Qui qu'on peut rentrer Polo a besoin de repos. On va rentrer Carlson. Oui, il y a Vaccaria aussi qui a besoin de repos, mais Vaccaria va se reposer sur le prochain match. Polo était déjà à 73 à la 75e minute, donc. Or que Vaccaria ne l'est pas. Il est un peu plus, il est un peu plus frais, donc. Ça peut encore te dire, mais. Hey, je fais jouer tous mes joueurs, hein. Enfin, j'essaye. C'est qui m'a cassé Larsen, là? But de Vaccaria. Que je l'attrape, parce que Larsen, il est descendu, il était à 70-75 de forme, il descendait à 56 d'un coup, donc il y a eu un tacle dans ses jambes, mais je sais pas qui c'est. Parce qu'on n'a pas vu la faute. 47 il descend, pas 50, 47. On est à 45, donc il a dû prendre un tacle vraiment sévère et. Oui, c'est juste fait mal tout ça, il a mal atterri. Possible aussi. Bon, ben voilà. Ah, Norco a marqué un but à Malmö, dommage. Dommage pour nous, mais bon. Grave. On remonte, il n'y a toujours pas assez d'écart en haut pour savoir, et nous on est littéralement à un point de la troisième place, donc. Deux, pardon. Deux points la troisième place, allez, deux. Et on est à un point la quatrième, enfin c'est. Ça reste serré. Ça se décante un peu, c'est-à-dire que nous on aura peut-être pas. Je veux pas me prononcer trop vite, mais on redescendra probablement pas vers le bas là-bas. Mais ouais, franchement on a été bien. C'est bien. Belle victoire quand même. Allez encourager. Larsen, j'espère qu'il a pas pris quelque chose de cher. Soit à 76, il est revenu à peu près au niveau des autres. Ok. Allez, le troisième match du championnat, Örebro. Toujours pareil, objectif la victoire, objectif marquer des buts, objectif pas prendre de buts, objectif casser les adversaires. Pour ceux qui regardent sur YouTube, sur les résumés, on a fait un petit peu de. Comment ça s'appelle ? On a fait un petit peu de recrutement, on a peut-être quelqu'un qui peut arriver. Parce qu'il n'est pas ultra cher. Donc on aura peut-être un petit jeune qui va arriver d'ici peu. Alors il a 17 ans, le problème c'est que. Ouais, c'est un étranger, donc 17 ans, il... voilà. Mais on peut-être avoir quelque chose, ouais. Prenons notre revanche, les gars. Let's go. Push, 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 push. Push, push. Let's go. On s'en fout. Ah. Ok. Let's go. Sur un corner défensif, les gars, c'est pas sérieux. On les travaille en entraînement, les corners défensifs, les gars. C'est le seul truc qu'on fait, en plus, en coup de pied arrêté. Comment vous prenez un but là-dessus? C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible de prendre des. C'est pas possible de prendre des buts sur des coups de pied arrêtés qu'on travaille à entraînement. Là. C'est... J'en peux plus, ça. C'est pénible. T'as beau avoir une routine défensive sur les coups de pied arrêtés. Et travailler à l'entraînement, tu prends quand même des buts sur coups de pied arrêtés. C'est. C'est pénible. C'est pénible. Allez, récupère le ballon là. Voilà. Passe. Bien trouvé. But. But ou gardien. But. Ok, égalisation.
Non mais on joue bien en plus, c'est ça le pire, c'est qu'il n'y a rien à dire quoi. Mais on va pas jusqu'au bout quoi. Que ce soit les titus ou la rotation, on va pas jusqu'au bout. Il y a des problèmes par moment. Ouais, faut arrêter les gars, là, à un moment. Faut arrêter de faire des nuls quand on en a pas besoin. Quoi. Là, on a besoin de remonter le classement, ça sert à rien de faire un nul là tout de suite. Surtout que normalement, il y a les consignes exprès pour pas prendre de buts stupides comme ça et ça devient pénible de pas les respecter. Là, les coups de pied arrêtés, c'est une plaie. Et j'arrête pas de le dire, mais c'est fou de voir ça, quoi. On a presque pu tirer, les Wild, t'avais le droit. Hein. T'as pas obligé de jouer court. Hein. Sur un coup franc bien placé, comme ça, t'es pas obligé de jouer court. Hein. À droite ou à gauche? Sur le côté. Voilà. C'est dangereux, ça. Mets de l'autre côté. Voilà. Voilà. Non, mais par-dessus, ça passe jamais, les gars, vous le savez. Force. On n'y arrive pas, allez, par-dessus. Balancer devant, ça sert à rien, on le sait. On sait, on joue court normalement. Également. J'ai un défenseur central là-dedans. Ouais. Allez. Milano, tu sors, t'as pris un jaune. Et les Wall, il peut risquer le jaune, c'est pas trop grave, il est devant. Milano, je préférerais pas. Non, à la limite, je m'en fous, tu sais, tu gardes comme c'est, et puis c'est pas trop grave. C'était pas la bonne journée pour faire un nul. C'était pas bon tout ça. Aurait pu faire mieux les gars. Surtout sur coup franc. Attends les gars, les coups francs merde quoi. Bon, Malmö a perdu. Non. Content. Mais. Ouais, on va leur dire. Pas la hauteur. Et on aurait dû marquer, on aurait dû gagner. Ouais, ça suffit de faire des nuls stupides comme ça. Allez, le quatrième match de ligue, Kalmar. La même chose d'habitude, gagné. On a mis la rotation parce qu'on est obligé. Mais ouais, la même chose, gagné. Kalmar sont pas en forme, donc faudra en profiter. Faudra en profiter, ouais, essayer de les enfoncer un peu plus tout en essayant nous de monter un peu plus dans le classement, donc il faut vraiment en profiter. On n'a pas le choix, il faut gagner. Allez. Il n'y a que de la rotation, les gars. Tout va bien. Oh.
Je réponds plus à ces questions parce que ça bug tout le temps, donc c'est chiant. Zut. 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 Voilà quoi. Bon. Le calmar, trois fois, mais nous aussi. Ah, d'ailleurs, on voit comme ça, c'est réglé. Ah, plein de fautes. Ouais. Privilégier le jeu court. Hein. Le jeu court. Hein. Allez, soyons créatifs, les gars. Marcon débute. Y a pas d'envie sur le terrain, comment ça se passe? Oi! Ouais, c'est pas des flèches devant, j'avoue. Mais... Et là, la fatigue là-haut! Vous faites, les gars! Oui! C'est dingue là-haut! On se laisse trop faire, les gars! Viens, repars te placer, Bo. Ouais, peut-être le but. But, ouais. Erreur du gardien. On a de la chance que le gardien en face fasse n'importe quoi parce que. Boudiou. Là-dessus, un gardien, ça sort. Bah oui, la passe est beaucoup trop. Elle est 10 fois trop longue, cette passe. Elle est bien trouvée, mais 10 fois trop longue. Ou alors, Silva est 10 fois trop lent. Ou alors, il a été un peu gêné au départ en action, peut-être aussi. C'est possible. Ouais, non, on va finir comme ça. J'ai besoin de mes titus juste après, donc on va faire comme ça. Krebs... J'ai peut-être un changement à faire. Je viens de m'en souvenir. Ouais. Trois là. Hop. Tac, j'ai un changement que je peux faire. Faut que je sorte Rouano, qui est le seul joueur que j'ai à gauche. Et sortir Rano. Hop. Voilà. Le reste, ils peuvent finir le match, mais j'en ai pas nécessairement besoin sur le prochain match. Si, il y a Alderson aussi à sortir. Putain, j'avais oublié. Après, le reste, non. Mais ouais, il y avait ces deux-là à sortir, et j'en ai. Évidemment, j'ai pensé à un, mais pas à l'autre sur le coup. Ah. Corner pour les rouges. J'aime pas les corners. J'aime pas les corners. Trouver sur la ligne. Oui, bien. J'aime pas les touches. Putain, mais sérieux quoi les gars, sortez de là. Un moment. Restez pas là, on va prendre un but là-dessus. Hein. Voilà. Eh bien, calmez le jeu les gars. Il le lâche pas lui. Ah là, c'est dangereux, les gars. Restez concentré un peu. Perds pas le ballon dedans. Ouais. À droite. On est sur le côté, n'importe. S'en fout.
Perdez pas le ballon, les gars! C'est pas le moment! Danger, danger, danger! On va perdre le ballon là-dessus! Hein. À force! Voilà, c'est bien trouvé! Hein? Moins! Ok, cool! Car c'est fait peur en fin de match, on n'aurait jamais eu! Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, concentrés jusqu'à la fin du match à chaque fois! Eh ouais, il va falloir faire mieux la prochaine. Il va falloir faire mieux à force. Hein. Tu sais qui est pas content, Ruano. Non mais Ruano, je peux pas faire mieux que te sortir. Pas que t'aies fait un mauvais match, mais bon voilà. Allez, match contre l'AIKA, c'est le dernier match du championnat de la session. On a fait quelque chose de correct, on est assez remonté au classement. Faut qu'on continue. Ok, let's go. Ouais, Norco, franchement, là, le gars de la conférence de presse, le reporter, là, me parlait du joueur que Norco, ils ont recruté. Ah, ils l'ont recruté 32 ou 33 millions, je crois. Et après, ils viennent taper à ma porte pour le même genre de joueur et ils me demandent 3,5 millions. Pour le joueur, hein, c'est... Voilà, quoi. Alors que mon équipe a fait des trucs assez sympas en ce moment. Et on joue en Champions League et tout, et... Non, eux, il faudrait qu'ils soient en mode « je vais prendre les joueurs au solde là-bas. » Au solde, en solde, déjà pour commencer. Et ouais. Dommage, Simanic, dommage. Alors le ballon là-dessus. Bah, il va pas trop loin, s'il te plaît. Ouais, bien trouvé ça. Allez, Ruano. Voilà. Dommage, encore. C'est pas fini. Deuxième centre. Au-dessus. Corner, probablement, mais au-dessus. Dommage. Ah, c'est très bien vu ça. Dommage. La tête elle est au-dessus aussi. Faut pas les laisser passer les gars. Oh, qu'est-ce que vous faites ? Il est plus là. Ah non, ils l'ont vendu. Oh, ou alors il est parti libre. Ouais, ce joueur là. Je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Leur attaquant qui était chiant. Söderlund, voilà. Ah, ils ont dû le vendre, je pense. Ils ont dû le vendre pour essayer d'avoir des joueurs. Mais ouais, écoute, moi ça me regarde pas ce qu'ils ont fait avec le joueur, hein. Ben, si vraiment ils l'ont vendu, qu'ils le volaient plus, fallait me le vendre à moi, hein. Moi j'aurais pas dit non. Bon, c'est vrai qu'il était payé cher en plus, mais... On a pas dit forcément non. Hein. Alors là, qu'est-ce que tu fais à pas les défendre, là? Ah ouais, mais ils sont malins, ils vont trouver des trous, tu vois. Allez, défendez les gars. Poussez-les là, sortez-les là. Voilà, bien. Moins bien déjà. C'était quoi cette passe? Ah voilà. Et voilà, ils sont contents parce qu'ils ont marqué. Ben oui, c'est normal. Mon milieu de terrain qui fait n'importe quoi encore.
et on perd le ballon à cause d'une passe débile. Débile la passe, j'ai pas demandé de jouer long. Et la consigne de jouer long, elle est où dans les consignes? Parce que là, je l'ai pas vu encore. Allez! Voilà! Attrape-toi là! Arsène, en deux temps. But! Côte de main. Et le joueur qui a fait. Le joueur qui a fait la bévue tout à l'heure s'est rattrapé finalement. Petite erreur de parcours, on demande. Bon, je suppose. Allez, encore! Voilà! Allez, go, 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 go! Polo! Bien, Larsen but. Larsen pas but, il s'est pas marqué les buts Larsen. Ah si, il n'est pas aidé par le gardien. Dommage. Dommage. Oui, dommage. Un peu court. Ah. Et perd pas le ballon. Donc. Perd pas le ballon. Voilà. Oui. Bien trouvé par-dessus. Timanić qui tire sur le gardien. D'accord. Ok. Ok, va falloir faire mieux en seconde mi-temps, les gars. Il va falloir faire mieux en seconde mi-temps. Coup franc, il va jouer court ou il va tirer direct? Parce qu'il peut tirer direct, il a le droit. Hein. Voilà. Pas grave. Au moins c'était tenté. Ouais mais là. Bien Zinco. Bien rattrapé. Oh cette faute. Tu joues même pas le ballon là. Oh l'arbitre. À un moment faut cesser. À un moment, faut sanctionner ça quand même. Il est un peu excentré, mais il peut le marquer. Aïe. Au moins il est cadré. Pas parti à côté, mais. Ça manque de conviction, ces frappes. Voilà. Encore, les gars. Encore, cherche. Voilà, lâche pas. Peut-être pas être mieux, mais bon. Allez, c'est pas grave, on n'a pas perdu le ballon, moi. Go, go, go. Oh, joli dans le trou, là. Oh là là là. La passe est magnifique. Et c'est encore Ishikawa qui trouve un trou. Tu te demandes d'où il le trouve quand même. Là-dessus. Après, Polo, il est intelligent aussi, regarde. Paf! Hop là! Trouver le seul trou qui restait dans le coin. Loul à la place de Strafko qui a besoin de sortir. Ishikawa a besoin de sortir. J'ai un milieu de terrain ou pas? Non, pas vraiment. Un petit problème pour moi, ça. Ouais, j'ai pas de milieu de terrain. Simanić va se reposer. Et... J'aimerais bien changer machin, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai pas de milieu de terrain. C'est dommage, quand même. J'ai oublié de mettre un milieu de terrain. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je pouvais pas. On finit comme ça. Changement en fait, ce que je fasse les changements de strat.
changement en défense, ouais. Ça j'ai pas l'impression. Hein. On fait qu'un seul changement pour l'instant. Ok. Bien Larsen. Ouais, ça c'est joli, c'est bien trouvé. Polo, Larsen encore. Oh, papa, c'est passé au-dessus. Oh, dommage. Larsen, il fait une passe, c'est rare. J'avoue. Mais bon. Oh, pas mal, ils ont changé de formation. Est-ce que ça change quoi que ce soit au marquage? Ouais. Ça change quelque chose au marquage. Mais Lindblad vient de rentrer en plus. Ça change quelque chose au marquage, les gars. Milieu gauche, milieu droit. Ok. Hop. Marquage. Voilà. On les lâche plus. Et c'est la victoire. 2-1. Nice. Jolie victoire. Ça nous permet de nous replacer tranquillement dans le classement. Moi, ça me va. C'est très joli. C'est bien, rien. Très belle victoire. J'ai rien à dire de plus. Allez, let's go. Yes!